Coucou les amis. Bon, alors je viens faire un autre tirage parce que vous m'avez demandé pour les écoles. Déjà ce que je voulais vous dire, pour l'argent, moi j'ai réessayé hier avec la carte bleue dans la poste. Donc je signale que je donne ma carte à la guichetière, qu'elle prend l'appareil à carte bleue. Voilà, ça n'a pas marché non plus. Par contre, avec mon carnet de chèques, avec l'ordinateur, là, oui, ça a marché. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai arrivé à retirer de l'argent. Voilà. Pour les vidéos qui me concernent, qui se trament sur moi, oui, je l'ai vu. Arrêtez de m'envoyer ce lien. Je l'ai vu le jour où elle a été faite. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai répondu. J'ai répondu. Bien entendu, le commentaire n'est pas visible pour vous, mais moi je le vois, voilà. Donc il n'est pas visible pour les abonnés, hein. Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être qu'on peut mettre en privé un commentaire, je ne sais pas faire, voilà. En tout cas, toujours est-il que moi j'ai répondu, je vous rassure, voilà. Comme je n'ai rien à cacher, si vous voulez voir la réponse, vous venez me voir en MP, je vous envoie la capture d'écran en MP. Ce n'est pas un problème, je n'ai absolument rien à cacher. Moi, je suis dans l'amour, je suis dans la lumière, je n'ai aucun problème. Si les gens me cherchent des problèmes, ça, ce n'est pas mon affaire à moi. Moi, je suis bien dans ma peau, voilà, j'ai pas de soucis, d'accord? Si on croit m'emmerder pour que je quitte ma chaîne, bah écoutez, la preuve, je suis encore là, voilà. Donc non, ça n'arrivera pas. Si on croit me perturber, bah pas du tout. Regardez, je suis là, je suis en forme. Bon, je fais la crève, mais je suis là et je suis en forme, d'accord? Voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, parce que je sais que vous m'envoyez des messages à longueur de journée. Sabine, comment tu vas? Comment tu vas? Quand vous ne me voyez pas sur YouTube, que je ne fais pas de vidéo, eh bien c'est parce que voilà, j'ai de l'occupation encore avec mon site. On est en train de refaire des jeux de cartes. Mes organiques n'ont pas voulu sécher. Regardez, j'ai tout démoulé ce matin. Donc voilà, j'ai encore les mains crades, hein, voilà, que je n'arrive pas à voir et j'ai les bouts des doigts brûlés. Mais je vais bien. Voilà, je vais bien. Vous entendez? Je vais bien. Voilà. Ma chaîne ne fermera pas. On peut me signaler autant qu'on veut. Je m'en fiche. Je ne fais rien de mal. YouTube est ouvert à tout le monde. Hein, voilà. Donc, je ne vois pas ce que je fais de mal. D'accord? Voilà. Bon, alors, point barre maintenant. On n'en parle plus. Parce que ça va ramener des ondes négatives, tout ça. Et franchement, je pense pas que ce soit le moment. Et je pense pas qu'on a besoin de ça. D'accord? Voilà. Donc on avance dans la lumière, l'amour, la joie, le bonheur, voilà. Et puis tout le reste, on met à la déchetterie, d'accord? On met même pas dans le conteneur parce que ça pourrait sortir. On va directement à la déchette. On met à la déchette. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, je suis grande. Enfin, non, pas trop. Je suis 1,50 m. Mais je suis assez grande pour choisir mon chemin de vie moi-même et ne pas me laisser emmerder à 50 piges. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Après, on n'est pas le widder. On ne plaît pas à tout le monde. Quelquefois, on plaît, puis on ne plaît plus. Bah oui, parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, ma pauvre Lucette, c'est pas gênant, voilà. Simplement, moi, vous pouvez écouter ma chaîne, hein, je ne parle jamais des autres, voilà. Quand je parle des autres, c'est parce qu'on a parlé sur moi avant et j'ai un droit d'expression, un droit de réponse. D'accord? Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, on s'en fout, on s'emballe. La vie est belle. Voilà. Et je vais vous montrer le tirage de l'école. Alors, j'ai repris, voilà, j'ai refait quelques cartes avec le tarot des druides, d'accord? Et puis après, on va compléter avec mes jeux. Mais comme ça, moi, le temps que mes vidéos se téléchargent, je gagne du temps. Ok? Alors, on y va. Hop, voilà. Bon.
La première, c'est la dame à l'envers. Donc la dame à l'envers, moi, elle me parle de blocage qui vous empêche la créativité, d'accord ? D'être créative. Il y a quelque chose qui vous bloque. Donc là, on a demandé si les écoles allaient refermer là, d'accord ? Cette semaine. Donc déjà, si vous avez si vous avez prévu de créer des choses, hein, voilà, on vous dit que déjà vous allez être bloqué. Ensuite, on a le 10 de coupe. Alors, toutes les cartes sont à l'envers. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous voyez, tous les noms, ils sont là en haut. Là, vous ne le voyez pas parce que bah, elle est en haut. Donc déjà, toutes les cartes sont à l'envers. D'accord ? Donc déjà, ça sent pas très bon. Alors, en deux, on a le 10 de coupe à l'envers. Donc là, ça parle de problèmes à la maison. D'accord ? Ça peut aussi dire un enfant qui quitte la maison. Et un rêve qui disparaît. Donc, peut-être que là, on pourrait dire que si vous avez prévu des choses pendant que les enfants sont encore une semaine à l'école, bah, il faut oublier vos rêves. D'accord ? Voilà. Pour la carte 3, on a le Seigneur. Le Seigneur à l'envers, encore une fois. Donc, pour moi, ça me parle de dictateur. Un dictateur qui agit d'une façon, bah c'est un tyran, hein, voilà, de façon tyrannique, d'accord. Et encore une fois, ça va être un discours ce soir qui va manquer de clarté, voilà. En tout cas, on profite du pouvoir, hein, d'accord. Un pouvoir de dictature, voilà. Et c'est l'autorité aussi, d'accord. Donc, ça va encore être quelque chose d'autoritaire. Ok ? Bon. Maintenant, on a la reine d'épée. Voilà. Donc, la reine d'épée, il va encore parler de quelque chose qui va perturber. Hein. Il va vous perturber encore une fois pour que vous manquiez de confiance en vous. Hein, d'accord ? Et puis que vous essayez d'avoir des difficultés à avoir la foi, hein, à croire au meilleur, hein, voilà. Parce que là, il va, pour moi, comment dire, je perds mes mots. Ouais, il va tout faire pour que vous perdiez la foi. En vous, mais aussi en la vie, hein, ok, voilà, et pour moi, après, j'ai le 4 de coupe, encore à l'envers, je vous dis que ça va être un sujet très négatif, toutes les cartes sont à l'envers, ok, donc là, bah, de toute façon, ça parle de tromperie, hein, de solitude et de difficulté avec la carte 5, là, la reine d'épée, voilà. Et comment vous dire en tout cas, vous allez trouver une nouvelle occasion. Il va avoir une occasion à saisir dans son discours par rapport à l'école. D'accord ? N'ayez pas peur de perdre votre sécurité. Hein, voilà. On va encore rester dans une situation qui aurait dû se terminer. Ok ? Donc, voilà. Ils sont obsessionnels, d'accord ? Voilà. C'est... Vous voyez, ils sont vraiment... Enfin, c'est... ils ont l'obsession, quoi. Ils ont l'obsession. Et alors, attention, moi, je dirais bien que... Parce que vous voyez, avec... avec cette carte là où on parle qu'il pourrait y avoir un enfant qui quitte la maison, hein. Ici la tromperie, d'accord, et là que vous manquez de confiance en vous, hein, d'accord, que vous perdez la foi en vous et en la vie.
Comment vous dire ça? Attention qu'on ne menace pas les enfants en disant voilà, faut les tester. S'ils sont positifs, eh ben, on les séparera de vous. Comme ça, il n'y aura pas de danger pour les fêtes de Noël et patati patata. Attention, ils sont, je vous dis, c'est une obsession pour eux. Et là, il y a bien l'autorité et le manque de clarté, d'accord? Alors, attention. Et c'est le pouvoir de dictature, là, quand même. Hein. Donc, attention, attention, attention. Ils sont prêts à tout. Ils vont essayer d'aller jusqu'au bout, d'accord? Donc, ne rentrez pas dans leur jeu, parce que c'est malsain, tout ça. C'est malsain, déjà, on voit bien que c'est déjà pas bon. J'ai tiré 6 cartes à l'envers. Ok? Donc, comment vous dire? Oui, alors, ils pourraient peut-être... refermer quelques classes, hein, voilà, quelques classes, et peut-être vous menacer pour d'autres, hein, pour des enfants d'un autre âge, ok? Donc, ne faites pas confiance à ce gouvernement, moi je vous le dis clairement, parce que ça pue, quoi. Ouais, ça pue. C'est, voilà. Alors, on va demander... Hop, allez. Est-ce que... Alors, j'ai bien compris hein, que c'était Kleenex qui allait parler ce soir, d'accord? Mais ne sachant pas, parce que moi, certaines personnes m'ont dit que c'était Pinocchio, ne sachant pas, j'ai dit le gouvernement. Mais on verra ce soir, d'accord? Voilà. Alors, on a la Renaissance, hein, donc quelque chose qui revient. Et le jugement, les actes, les huissiers. Alors, la noyade, hein, les larmes, l'eau, d'accord? Alors, est-ce que les enfants, est-ce qu'ils vont refermer? Alors, attendez, hop. Bon, voilà. Vous comprenez pourquoi j'avais froid, hein, c'est pas que j'ai pas de chauffage du tout, mais bon, je couvais quelque chose. Alors, est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine? On a le don, le partage avec le pain, d'accord? Donc, alors, oh, il y en a trop. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine, hein, avant les vacances? Alors aussi, il y en a beaucoup. Alors, est-ce qu'ils vont refermer les écoles avant les vacances? Bon, on nous parle d'argent, attention, hein, de gains, de monnaie, enfin voilà, hein, de contrôle. Vous voyez, c'est le contrôle. Ils vont essayer de vous contrôler et de contrôler vos enfants. On parle de l'école, là, d'accord? On parle d'enfants. Alors, on a quand même sur le jugement, les actes, le huissier, quitter et partir. Sur l'eau, les noyades, les larmes, hein, le choix, le libre arbitre, donc vous avez le choix, vous allez peut-être avoir le choix de mettre vos enfants à l'école, hein, voilà. De toute façon c'est vrai que vous avez le choix, hein, c'est vous qui décidez pour vos enfants et personne d'autre, ok, bon par contre on va, voilà, on va vous dire qu'on va vous donner quelque chose avec le pain, d'accord, attention, ça va provoquer de l'énervement, du stress, des inquiétudes, d'accord, et des peurs, donc attention. Alors, ah mais non, alors hop, celui-là je vais le recommencer sur du papier cartonné, hein. Mais bon, moi j'arrive à m'en servir, ça me va très bien. Alors, oh là là là, ça y est, ça saute, ça parle, hein. Voilà, donc vous voyez, ils vont encore nous parler de maladies, hein, voilà. Ok, c'est normal hein, qu'on est malade, c'est la grippe, hein, voilà quoi. Septembre à décembre, encore une fois, et le chagrin, les peines, les pertes, la déprime, d'accord?
Donc attention, là, on parle des enfants à l'école, les amis. Donc, attention aux peines qu'on pourrait vous engendrer par rapport à vos enfants. Vous savez. Alors, est-ce qu'ils vont encore refermer les écoles cette semaine? Fidélité, respect. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine? Avant les vacances, là, cette semaine. Il y a la séparation. Vous voyez, j'aime pas, hein, j'aime pas. Hein. Séparation, rupture, d'accord? Mésentente, éloignement, hein, ok? Sur la maladie. Donc, c'est ce que je vous dis, attention. Ou vous forcez à faire des tests et dire les enfants ne peuvent pas rester avec vous parce que vous êtes malade, vous allez les contaminer. Alors, est-ce que ils vont refermer les écoles cette semaine? Alors là, il y en a combien de retournées? 3, 4, bon, on va les prendre, hein, je sais pas. On a la destruction, vous voyez les ravages, la tempête. Attention, hein, je vous le dis, attention. C'est sur la séparation, hein. Vous voyez, ça va provoquer des colères, hein. Moi, j'ai la séparation ici, et là, voilà, j'ai la destruction, ravage, tempête, autodestruction, d'accord? Donc, attention. Donc, je les prends dans l'ordre qu'ils ont tombé. Hein. Bon, on a le soleil, bonne nouvelle, ok? Réussite, quand même. On a, mais bon. Là, c'est eux. Est-ce qu'ils vont refermer les écoles? Hein? Attention. Les papiers et les démarches. Donc, ils nous ont refait peut-être un nouveau décret, nouvelle loi là-dessus. Attention. Hein. Mais bon, on finit par la fidélité, le respect. Et avec les plaisirs, hein, les distractions, le bien-être, le bonheur. Donc, peut-être aussi qu'il y a des professeurs, hein, c'est bon, hein, ils ne veulent plus. D'accord? Ou les professeurs qui défendront les enfants. Bon, alors, est-ce que ils vont refermer les écoles cette semaine avant les vacances, là? Alors, est-ce qu'ils vont refermer Alors, moi, j'ai la porte. Solution, résolution des problèmes. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine? C'est le oui positif. Donc voilà, d'accord, pour vous bloquer, hein, peut-être, puis après, ben, si vous confinez entièrement, c'est pas normal que les enfants vont à l'école. Pour moi, je pense que oui, hein, ils vont essayer, en tout cas, certaines classes, hein. Alors peut-être pas tout le monde, d'accord, mais certaines classes. Alors, est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine? Oh ben là j'en ai oublié une. Les énergies, il faut vous ressourcer dans la terre, hein, d'accord? Il faut vous ressourcer, il faut sortir. Alors, on a le printemps. Alors, ensuite, on a est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine, s'il vous plaît? Bon, là, il n'y en a pas beaucoup trop, il y en a cinq. Allez, hop, et hop. Est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous répondre? Est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine, s'il vous plaît? Alors, est-ce que les écoles vont refermer cette semaine? Est-ce que le gouvernement va décider de refermer les écoles? Est-ce que le gouvernement va décider de refermer les écoles? J'ai toujours cette séparation et ce départ, hein, je vous montre, hein, d'accord? Et l'étranger. Alors, est-ce qu'ils vont décider? De refermer les écoles? Cette semaine, est-ce qu'ils ont décidé de refermer les écoles cette semaine? Alors, moi j'ai l'automne, voilà, j'ai oui positif encore une fois, d'accord, voilà, et
Voilà, ils vont essayer, vous voyez, de faire un compromis, de faire un arrangement, d'accord? Collaboration. Alors, moi, j'ai deux fois oui, hein. Donc, il est fort possible que, voilà. Alors, peut-être qu'avec le compromis, l'arrangement, ce sera par petit groupe, hein. Ils iront à l'école peut-être par petits groupes. Voilà. Et donc, ils seront bien séparés, les enfants, ok? Puisque ça sera peut-être par groupe. Voilà. Bon, écoutez, moi, je pense que, ben oui, ça va refermer, mais tant mieux. Surtout, gardez vos enfants à la maison, si c'est possible. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on a... La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Encore une fois, on nous parle de chaos. À chaque fois, cette carte tombe. Voilà. Et on a la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, je vous ai dit, hein, on va passer par le chaos, d'accord, mais on va être aidé, d'accord. Voilà. Mais il ne faut pas rester dans votre ego. Il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont, d'accord. Ne croyez pas, non, on n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans une dictature, hein. Vous avez vu les cartes, première carte que j'ai tirée, hein. On vous le dit bien, hein. C'est pas moi qui vous le dis, voilà quoi. Alors, on va faire, allez, je vais faire... Ah, bah, et pourquoi il y a une carte ici? L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Bon, allez, on va faire le présent. Comme j'ai vu que mes vidéos passaient... on va voir. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine? Alors, hop, les conseils. Allez. Et bah, le futur, mais le futur prochain, d'accord? Est-ce qu'ils vont refermer les écoles cette semaine? Allez, je veux celle-là. Hop, voilà. Allez. Alors, on a le lien, l'union et l'essentiel avec le bouton, hein, d'accord? Le crapaud, fierté, honneur, beauté cachée. Donc, on a des capacités, hein, beauté cachée, d'accord? Si on s'unit, hein, voilà. On a la pièce, donc chance, gain et sécurité. Sécurité, donc, ici maison. Voilà, il y a la corde. Donc, ça va être un peu contraignant, hein, voilà, mais... au moins, c'est pour notre sécurité. D'accord? Encore une fois, sécurité, sécurité. Vous voyez? Ça va être quelque chose de stable. Au moins, voilà. Donc, on a la protection, hein, préservation, sécurité. Encore une fois, trois fois sécurité. Donc, il faut vraiment se mettre en sécurité. Moi, quand, je sais pas, hein, j'ai oublié de vous montrer les cartes. Regardez, ici, il y a sécurité. Ici, il y a sécurité. D'accord? Bon, ça se représente. Ensuite, on a la boussole, d'accord? Donc, il y a des directions, hein, des déplacements, d'accord? Mais il faut préserver, vous voyez, votre sécurité. Il faut vous protéger, ok? Donc, écoutez, la sécurité est à l'ordre du jour, hein, ok? Avec les liens, l'union qui est essentielle pour moi, je pense qu'on parle des liens avec nos enfants, d'accord? On est fiers d'être parents, hein, voilà. On fait de notre mieux. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est les mettre en sécurité, d'accord? Alors, là, il y a décision, choix et doute. D'accord? Donc, c'est peut-être aussi à nous à prendre des décisions, faire des choix, malgré nos doutes. On a le soleil. Donc, la réussite, l'énergie, le bonheur et l'abondance.
On a le chien, fidèle ami, loyauté. Donc, vous voyez, moi, je vois. Hein. Moi, pour moi, ça me parle de ça. Hein. On va vraiment être aidé avec l'ami loyal. Hein, d'accord. Ça va nous ramener le bonheur, hein, la réussite, ok. Et mais voilà, il faut aussi que nous on fasse un choix, qu'on prenne des décisions. Il faut qu'on arrête de se laisser faire. Voilà, vous voyez, on a jalon. Donc il y a des espoirs, hein, d'accord. On progresse, on est à mi-chemin. Donc c'est bientôt la fin de tout ce carnaval. Hein. Voilà, il y a un nouveau projet qui arrive, qui est en cours, voilà, avec l'enfant. Ok, voilà. Bon, ben, écoutez, voilà, on va réussir, mais il faut qu'on arrive à se décider et à faire des choix, malgré qu'il y a beaucoup de doutes, hein, dans la situation. Mais voilà, c'est à nous aussi d'avancer et de ne pas rester sur nos lauriers, hein, parce que, ben, voilà, quoi, je veux dire... je vous répète, hein, comme je dis tout le temps, rien, regardez, voilà, il y a les masques, hein. Donc voilà, c'est secret, c'est mystérieux, d'accord, et c'est les illusions, on va faire tomber les masques, ok, donc là, voilà, ouais, donc je vous disais, hein, on va pas se faire servir le cul sur un plateau d'argent, ça n'existe pas, hein. Donc c'est pas possible. Il faut absolument qu'on se bouge. Bon, moi, je sens que le peuple est énervé. Hein, de toute façon, tout le monde est énervé. Tout le monde s'en prend sur tout le monde. Il y a de l'agressivité dans l'air. Mais alors, c'est juste une horreur. Bref. Mais bon, ça montre un peu, voilà, que ça bouge. D'accord ? Je pense que c'est la peur qui fait... réagir les gens de cette façon. Voilà, voilà, voilà. Alors, bon, en tout cas, moi, je dis, moi, personnellement, ce qui me concerne, moi, si on ferme les écoles, personnellement, ça m'arrange. Au moins, je suis sûre que mes petits-enfants seront en sécurité. Et la sécurité est à l'ordre du jour, hein, je vous répète encore une fois. Les cartes se suivaient, d'accord ? Et trois fois sécurité, ok. Donc là, il faut vraiment que vous ayez le mot sécurité en tête et dans vos pensées. Voilà les amis, je vous embrasse et peut-être à tout à l'heure.